Hello les amis de la boîte, allez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo remerciement pour les abonnés de la chaîne, car ce matin en me levant j'ai vu qu'on était à plus de 600 abonnés, hein, 602. Donc à voir si ça maintient le cap ou si ça redescend pas, hein, on sait jamais, hein. Avec YouTube, des fois, vous pouvez être à 600, redescendre, remonter. Mais bon, là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est à 602 abonnés. Donc, je remercie vraiment tout le monde du soutien à cette chaîne. J'ai commencé de rien du tout. J'ai voulu présenter une de mes passions, le petit train Z. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui à plus de 600 abonnés. Donc je vais vous faire, pour le remerciement, une petite vidéo sur le thème des BRV60. Donc les BRV60, c'est ce style-là de petites locaux. Donc ça, c'est pourquoi je vous présente ça, car c'est des locaux de début. Car à l'époque, hein, quand vous achetez une petite boîte de Marklin Z, généralement c'était un petit rond avec ce genre de locaux. Vous avez le petit transfo avec et vous commencez à construire votre aventure Marklin Z avec ces belles petites machines qui fonctionnent bien. Donc là, plusieurs versions. Vous avez celle-là, la verte. La verte, c'est une moteur 5 pôles. Elle tourne du feu de Dieu. Vous avez cette version-là. Donc ça, c'était sur une autre boîte de base. C'est pour ça que j'ai pas la boîte. Ça doit être un moteur 3 pôles. Ceux-là aussi, c'est pareil, hein. C'était sur une boîte de base. Celle-là aussi. Non, celle-là, c'était une patinée. Je crois que c'était une édition spéciale. Mais j'ai plus la boîte avec le numéro. Mais c'est ça. Celle-là, c'était une boîte de base. Une boîte de base. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo sur les BRV60. Où vous avez plusieurs noms, vous voyez. Avec une petite musique de mon enfance. Je vais mettre un fond pour ce qui connaissent, ça sera Albator. Vraiment une petite musique de mon enfance que j'aimais bien aussi. D'ailleurs, RIP à Leiji Matsumoto, car il nous a quittés il y a un ou deux mois. Donc c'était le papa de Albator. Bon, enfin, on va pas s'attarder dessus, hein. Je vous remercie grandement et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.